Quand on m'a proposé de réaliser une pièce d'exception pour la Maison Guerlain, j'étais complètement bouleversée parce que ça me rappelait des souvenirs d'enfance. Quand j'étais toute jeune, ma mère portait le Mitsuko. Mitsuko, c'est un mythe, c'est un parfum qui traverse les années, qui a un sillage extraordinaire. L'idée de se réapproprier Mitsuko, c'est une façon de paraphraser l'œuvre de Jacques Guerlain, de contourner Mitsuko pour en faire quelque chose d'autre. L'âme de Mitsuko Absolue 17, c'est la rose, c'est l'iris. On va retrouver ce fond très mousse, très patchouli. C'est peut-être un côté plus sombre aussi. Et c'est là où arrive ce contraste entre lumière et mystère. C'est très beau et très inspirant.